Donc cette fois-ci, normalement, on a tout fait dans le centre de recherche. Faut qu'on aille un coup vite fait au centre de l'héroïsme rendre la quête à Nakayama par rapport au destructeur cloné. Et après, on fera la quête du truc hanté. Et pas en hache. Ah, blague de merde. Bon, on va passer par là, tiens. Il est quelle heure? Il va être 17h. Très bien, ça va. Au niveau du timing, ça passe. Il me faudra, je pense, deux épisodes pour faire la mission hantée. Contact ennemi, droit devant. Bon sang. Ça a l'air de bien marcher ce truc quand même. Drone lâché. Bon, faut que je vise par contre, j'ai l'impression, sinon ça va faire que de la merde. J'ai l'impression que si je tire à l'arrache, je vais juste gaspiller des balles. Ah, j'ai oublié de revendre tout le matos que j'ai récupéré. C'est pas très très malin. Au moins, je suis plein de munitions. Va falloir que je booste le nombre de munitions de fusil à pompe quand même. Hein. C'est quand même pas ouf ouf ouf. Je suis vite à court. Bon, il était déjà mort en fait. Putain, je l'ai one shot. J'ai quand même pris cher, moi là. Hein. Y a pas l'exosquelette qui se pointe. Bon, je vais pas m'en plaindre, hein. Juste un constat. Oh, t'as du bol, toi. Pas tiré à travers les plantes. Eux, si, apparemment. Je l'ai mis en critique en plus quoi. Le pauvre mec. Et bah toi t'es même pas le début d'un problème. Voilà. Moi je, ils auront bien le cerveau aéré hein. On peut pas monter par là. Tapis. T'as raison. Ah, c'était une idée à la con. Je l'avoue. Je l'assume complètement. Tant que mes grenades font des choses, moi je vais tranquillement me servir. Pas de stress. Oui, il y a les distributeurs qui sont là, très bien. Alors, ça du coup je vais le vendre franchement. Ça je vais garder. Ça me fait un flingue acide. Jusqu'au que ce soit encore un. Comment? Un laser. J'ai un peu. Je commence à avoir quand même pas mal de lasers. J'en ai 3 que je garde. Ça fait quand même beaucoup. Oula, ça m'a fait de la merde là, je crois. Ouais.
attends. Qu'est-ce que c'est ce délire? Du coup, est-ce que ça, je le garde? Ouais. Je suis comme le garder au cas où. Dégâts explosifs, dégâts critiques. Lunettes de visée. Bref. Et voilà. Reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de traiter avec un chasseur de l'arche. J'ai entendu un mec, je sais que vous êtes là. Boum! Par contre, ça me donne pas beaucoup d'XP en ce moment, hein, leur. Ces mecs-là. Bon, en même temps, ils sont au niveau 19, je suis niveau 22. Donc, c'est vrai que. Je commence à avoir un peu un fossé. Et sinon, lui, il veut toujours pop-up. Bon, très bien. Après, le truc avec cette histoire de trucs légendaires, c'est-à-dire que le mec, il a une certaine chance de pop, déjà de base, faut compter là-dessus. Et ensuite, il faut compter qu'il a une certaine chance également de lâcher le... putain, mais tu vas crever. De lâcher un kit légendaire. C'est-à-dire que vous... Comme les chances de l'avoir sont très très faibles, le machin légendaire. C'est pas tapi tap. Il a mis plus de chances de le choper dans un distributeur, quoi. Il y a même très probablement plus de chances de le choper dans un distributeur. Oh oh. Alors, corps empoisonné, laser concentré, bienvenue au Far West. Lance de tir laser. Ouais, ça m'a l'air pas l'air très. Ce que je cherche. Voyons voir. Alors là, j'ai laser concentré. Putain. Suppression et tir de soutien. Et là, j'ai laser concentré. Bienvenue au Far West et carreau explosif. Enfin, non, c'est carreau empoisonné, ça. Je suis gouré. Carreau empoisonné, ouais. Alors, bienvenue au Far West et carreau empoisonné. Carreau empoisonné. C'est les Wolves, le tir de Wolf ont une chance d'être des carreaux empoisonnés infligeant des dégâts corrosifs. Par ailleurs, vous avez plus de chances de corrosion et les dégâts corrosifs sont plus élevés. Ouais. Du coup, le laser que j'ai récupéré pouvait être très efficace avec ça. Et bienvenue au Far West, c'est quoi? Ah, bienvenue au Far West. Putain, mais il est loin le truc. Vous êtes plus doué avec les armes, tout aspect confondu, dégâts des armes, vitesse de chargement, taille des chargeurs et précision améliorée et recul réduit. C'est génial, ça. C'est dommage que les autres trucs qui sont avant ne m'intéressent pas forcément. C'est un peu trop spécialisé, quoi. Puis c'est surtout que c'est après avoir tué un mec... genre de truc, c'est... Ouais, je trouve pas ça super efficace, personnellement. C'était waouh! Vraiment waouh! J'ai du mal à y croire. Merci, Nakayama. Désolé. Tu peux. Alors, ah, ça a l'air pas mal, ça. Ça va bien? Octo, ça veut dire un œuf. Tu crois ça a l'air très bien, ce truc. Te dépêcher? Il faut que je retourne à mon sanctuaire. Bon, c'est du Tedior, donc moi je suis pas vraiment fan du Tedior, même si je commence à m'y faire. Mais waouh, quoi, ça fait des trous, ce truc. Regardez, là, on a 61 x 10, ça consomme quand même qu'une balle. On a 95% de précision pour un pompe, c'est ouf. Ma cadence de tir est pas, dingue, mais... Ah bah... Tiens, il a pas que 2 balles, là. Ah oui, mais c'est pas ce mois qui les a faites. Ah, d'accord. Non, mais c'est... Ouais, c'est un peu foireux, en fait. Ça tire pas exactement super précis, en fait.
On va quand même voir ce que ça donne, ça peut être sympa. Sinon, donc, il nous reste le sous-sol numéro 13. Eh bien, allons-y. Alors, je sais pas s'il faut que je fasse quelque chose de spécial pour accéder, en fait, à cette quête. On va passer par le bureau de Jack, ce sera plus tranquille pour stepper. Bon, et pour 3 balles, j'ai pas chialé. Ça fait quand même une belle explosion électrique. Il n'y a pas une quête qui traîne ici, non? Non, ça va. On sait jamais. Alors, le sous-sol numéro 13, c'est à l'usine de production de robots titans. Mais ça doit être celle-là, je crois, par là qu'on y accède. Cette porte commence sérieusement à me taper sur les systèmes. Je peux activer... Et oui, il y a un bug. Plateforme de saut pas loin. On va plutôt passer par là. C'est sûrement les pillards qui ont mis ça là. Ils utilisaient des plateformes. Alors, voyons voir si je me suis pas gouré. Et je crois pas m'être gouré. Quoi qu'en fait... En fait, on va... J'ai regardé les effets distributeurs. Et on va aller à... Oh putain, mais c'est puissant ce truc. Bah ouais, c'est carrément mieux que ma merde à la con. À la foutre de passer à travers les boucliers si ça fait des trucs pareils. Ah bah c'est ce que j'ai l'intention de faire avec, oui. Santé maximale de machine, pionnage mécanique. Ouais, donc en fait on va se téléporter à l'usine de production. Et on va pareil, en fait on va juste revenir un peu vite fait sur nos pas pour aller plus vite vu que c'est quasiment à la sortie. Vous avez parlé vite fait qu'il y avait une zone qu'on allait voir après. Bah c'est là où on se dirige. Vous pouvez faire confiance à l'arme qui vous accompagne. Santé et bouclier pour toi. Dégâts de surpuissance, ouais. Préviens-moi si quelque chose. Ça met des plombes à surcharger. Amuse-toi bien surtout. T'en fais pas pour ça, on va s'amuser. Mauvaise nouvelle. Cette porte commence sérieusement à me taper sur les systèmes. Je peux activer une plateforme de saut pas loin. On va plutôt passer par là. Ton bug qui commence à me taper sur le système. C'est sûrement les pillards qui ont mis ça là. Ils utilisaient des plateformes pour entrer et sortir de Concordia. Oh mais les mecs, vous êtes niveau 15. Genre, vous me faites peur, quoi. Allez. Une quête qui va être un peu longue. Faut compter au moins minimum 20 minutes en la rechange, je pense, pour la finir, cette truc. Par contre, oui, comment je fais pour l'activer, en fait? Parce que c'est genre là, je crois. Ou en face, peut-être. Ouais, c'est là. Ah non, c'est juste un raccourci. Viens prendre ta raclée. Moi je l'avais pas. C'est l'oxygène. Merde alors, comment je débloque cette quête? Fais chier. Comment je fais moi? Comment j'avais fait? C'est pas la centre de l'héroïsme, c'est pas au bureau de Jack. Ça va pas être à Concordia, il me semble pas avoir vu quelque chose à Concordia. Mais j'ai raté. J'ai quand même fait un tour à Concordia, dans le doute. Qu'est-ce qu'il nous reste comme endroit où on pourrait avoir une quête? Allez, cours!
Merde alors. Flûte. Donc ce soit pas là du tout, ce soit de part, mais... Oh, c'est stylé ça. Ah, c'est swag. Putain, le fusil d'assaut. Non. Non, y a pas de cadre ici. Putain, je me sens très con là. Un grand jour pour le capitalisme. Je me sens extrêmement con. Premier coup, renforcement, guerre froide. Non, c'est pas chouette. En tout cas, c'est pas les trucs que j'ai développés, donc... De là... Tu ne sais plus quoi faire de ton argent ? Les flingues ? Mon gagne-pain ? Votre rêve ? Je suis en train de réfléchir en même temps, hein, quand même, à où est-ce que je pourrais choper cette quête. Pareil à tirer. Pleine de tritons, il me semble pas avoir vu quelque chose. Quand on y avait été. Donc où est-ce que je pourrais aller? Zut. Il y avait avoir vite fait la tête qu'on a débloquée. Pirate de l'espace. Il est swag. Et hacker. Ok. Non, on garde l'amiral de l'espace. Thermoc de Serenity, non. Balve de la crise, ça m'étonnerait. Canyon des terres éloignées. Canyon des terres éloignées. Possible que ce soit Pickle qui me la donne. Oh, putain, c'est swag aussi, ça. Ah! Je te tiens. Miam miam miam.